Bonjour Pascal, nous sommes sur la structure des ateliers La Bruyère de Langeac. Donc épisode 2, après Saugues. Donc Bonjour David, oui, c'est un peu épisode 2 façon Star Wars. Donc, le site de Langeac, pour nous, le site de Langeac, c'est la reprise en 2016 d'un jardin qui était existant, le jardin des Estrées, qui était malheureusement en liquidation judiciaire. Et donc ici, on a rebâti une équipe autour du végétal, le maraîchage biologique, la transformation de légumes, depuis peu, quelques actions dans le réemploi avec quelques acteurs locaux, et bien sûr, la livraison, la tenue de magasin. Et donc là, on est dans le magasin qui est ouvert tous les jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi en journée, et où les clients peuvent venir acheter. On a un second magasin en ville qui s'appelle l'Épinette. Là, c'est un point de vente collectif tenu avec différents Langeadois, habitants du Langeadois, producteurs du Langeadois. Voilà, je te propose qu'on aille voir On y va. directement Allez, la je légumerie. suis. Nous sommes dans la légumerie. C'est l'endroit de transformation, le laboratoire qu'on a créé, qui nous permet de transformer nos légumes en légumes de quatrième gamme ou de cinquième gamme. Alors, techniquement, c'est un peu compliqué, mais en gros, cet atelier-là nous permet de, à partir de nos patates, faire des frites vendues dans les écoles ou chez des partenaires, dans des restaurants. Là, c'est une commande assez conséquente pour un collège. Là, l'équipe est en pause, donc c'est pour ça que c'est calme, il n'y a personne qui travaille, mais on a tout le matériel qui nous permet de faire du légume nettoyé, tranché et parfois cuit. On va jusqu'à faire des betteraves cuites sous vide, des poireaux cuits sous vide. Et c'est une des activités que l'on souhaite porter le plus loin possible jusqu'à l'alimentation des cantines locales. Merci Pascal. Voilà, je t'en prie. Pascal, Donc, nous sommes dans l'atelier, alors espace vert que tu vas nous présenter. Donc maintenant, on est dans l'atelier à la fois espace vert et maintenance. Donc on a une équipe gérée par David de 6 personnes, 6 salariés qui fait de l'espace vert pour les collectivités, aussi du curage démolition comme à Sog d'ailleurs. Et ici, ils stockent leur matériel. Et puis on a en plus une équipe coachée par Jean en maintenance, il doit avoir 2-3 salariés avec lui, qui vont à la fois réparer toutes ces machines, toutes les machines aussi qu'on peut retrouver dans la légumerie, les bâtiments, l'entretien des bâtiments, et depuis peu la recyclerie, avec notamment le travail sur les boîtes palettes, où on récupère des palettes usagées, que l'on reconditionne. Et que l'on transforme soit en nouveau en palette, soit comme on peut le voir là en petite cagette, ou alors carrément en bûchette pour allumer le feu. D'accord. Donc là, en fait, alors je ne connais pas son prénom, mais Frédéric, voilà. Merci. Frédéric est en train de tailler et après, vous faites des cagettes alors. Oui, Frédéric, ce qu'il fait là, c'est carrément toutes les chutes, les petites chutes, il les transforme en bois de chauffage. Mais avant ça, il y a eu un travail, on a vu Benjamin dehors. Avant ça, il y a un travail de démantèlement de la palette, ponçage, rabotage du bois pour après le stocker sur différentes tailles et l'utiliser pour après faire du mobilier. En premier lieu, d'autres palettes que certains clients nous achètent. Et puis, on a même été jusqu'à créer des choses en mélangeant laine et bois, notamment des paravents, des horloges, en recyclant ce bois de Oui. palette, en faisant vraiment une seconde ressource. C'est pour ça qu'on parle de recyclerie. Le projet de Matériothèque, ça fait un bout de temps qu'on le travaille, puisque dans le cadre de nos activités de curage et démolition par les équipes de Yannick Assog et de David Alanjac, on récupère beaucoup de choses, parce que quand Voilà. on démolit, Et parfois ça se casse complet, parfois c'est des bois ou des fenêtres qui peuvent se réutiliser. Donc on veut faire une matériothèque sur le Langeadois, il n'y en a pas. Et ça pourrait être très intéressant Oui. de réaliser ça pour avoir à moindre frais des produits de seconde Alors, main qui sont tu vas me reprendre, mais c'est vous avez participé à la démolition de l'ancienne piscine, la Oui, structure, c'est ouais, ça? c'est ça, oui, on a démoli l'ancienne piscine, on a démoli le bas de la rue du Pont avec la complicité de Serge Traventin. Ouais. On a démoli, avec la complicité de Serge Gaillard à Assog, l'ancien hôtel de France. Ah. On a démoli l'ancienne poste au Puy-en-Velay pour le Ouais, donc département. Enfin, voilà, on en fait quand même pas mal. ouais. Et donc à chaque fois, tu démontes des huisseries, des fenêtres, tu récupères des bois de charpente,
Ouais. Voilà, donc parfois, tu dis des choses qui peuvent être vraiment valorisées, quoi. Très bien. Merci, Pascal. Je t'en prie.